Moment de la parole sur Port TV. Moment de la parole sur Port TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui délivre. La parole qui guérit. La parole qui sauve. Moment de la parole sur Port TV. Restons à l'écoute. Seigneur, change mon nom. Fais face à ton voisin, dis-lui. Voisin. Tu portais un nom en venant ici. Mais à ton retour, tu portes un autre nom. Seigneur, change mon nom. Sinon, je ne te laisserai pas. Oui. Je veux une chose ce matin. François ni Diabo Rouge en devo. Que Sandra change en quelque chose d'autre. Hein? Demande à ton voisin quel est ton nom. Ma ou na dio encore ouais, ton Dieu ibe. Va changer ton nom aujourd'hui. Yibirami. Réponds Amen. Déjà qu'on fait une spéciale de midi. Je vais te laisser une grâce spéciale sur vous. Aïe. Oui. Que Dieu change mon nom. Pourquoi dans ma maison on arrête de se moquer de moi? Que Dieu change mon nom. Que mes collègues arrêtent de se moquer de moi. Que Dieu change mon nom. Pourquoi dans le marché ils arrêtent de se moquer de moi? Je suis venu changer le nom de 2000 personnes. C'est le nom par lequel on t'appelle que tu es. L'homme n'est pas autre chose, c'est le nom qu'il porte. C'est le nom que l'homme porte qui est sa destinée. Tel qu'on t'appelle. C'est ainsi on t'appelle dans le règne spirituel. Si tu t'appelles mort, un jour tu finiras par mourir. Si on t'appelle vie, tu vas vivre certainement. C'est le nom par lequel on appelle un homme qu'il est. Ta mère t'a engendré. Ton père t'a engendré. Ils t'ont attribué un nom. En travers des situations. Et la situation donne le nom aussi. On porte des pas. On pose des pas. Et le pas que tu as posé te donnera un nom. Toutes ces choses sont des noms qui restent sur soi. Mais il y a un nom. C'est le nom que Dieu t'a donné. Aucun homme ne peut l'effacer, ne peut le changer, ne peut le garder. Je prédis sur ta vie. Et je parle à l'autel de Dieu. Le nom de stérilité. Le nom d'endetté. Le nom de malade. Qu'on t'a attribué. Le nom de Jésus le fasse aujourd'hui. Célibat, c'est encore le nom de célibat, je l'efface. Le nom d'endetté. Je l'efface. Le nom de malade. Je l'efface. Célibat, le célibat, je l'efface. Le nom de pauvre, je l'efface. Le nom qu'on t'a attribué. Qui ne te lève pas rituellement. Et puis, a dit encore, le Seigneur va le changer aujourd'hui au nom de Jésus. Le nom par lequel on t'appelle. Qui ne donne pas gloire à Dieu. Moi. En tant qu'un de Dieu. Je le change au nom de Jésus. Rapidement. Qu'un autre nouveau nom te soit attribué. Si tu pars d'ici, on va t'appeler par un nouveau nom.
Je parle que ce Dieu m'a attribué un nouveau nom. Tu ne vas plus être l'endetté. Tu n'auras plus celui qui est rendu. Tu ne seras plus un maladif. Tu ne seras plus celui qui pleure. Mais ta tête sera relevée devant tes ennemis. Je prophétise que cela soit ainsi. Que ce nom te soit ôté. Au nom de Jésus. Quand l'ennemi cherche quelqu'un, il lui attribue quelque chose pour lui donner un nom. Et ton nom que tu portes sera effacé. Et les gens vont commencer à l'appeler par ce nom. Aujourd'hui, je l'efface, je l'efface, je l'efface. Je l'efface sur toi. Je rentre dans ta vie. Ce nom. Le sang de Jésus l'efface. Rapidement au nom de Jésus. La boca sabrakata. Le bokata, je l'efface. Je l'efface. Je l'efface. Ce nom ne sera plus sur toi. Jamais. Jamais. Au nom de Jésus. Un nouveau nom sera écrit sur ta vie. Qui apportera l'argent. Qui te donnera une place. Car le jour on devient directeur. François directeur. Car un autre nouveau nom est venu. Le Dieu donnera de valeur à ton nom. Ton nom sera valorisé. Sera valorisé au nom de Jésus. C'est quelque chose qui arrive. Et ça élève et ça change, non. Plus ne m'a dit, plus quand tu tant que quelque chose n'arrive pas, ton nom ne sera pas changé. Quel nom le monde t'a attribué? Quel nom les gens t'ont donné dans la famille? Tu continues d'être échec. D'être endetté. D'être célibataire. Dieu te donne un nouveau nom aujourd'hui. Réponds trois fois, amen. Oui. Le nom a changé. Le nom a changé. Le nom a changé. Ce n'est pas tous les noms que tu as que les gens appellent. Mais ils le disent entre eux. Certains noms te le dira pas ouvertement, mais il le dit dans le secret. Moi-même, je dis dans le secret que Dieu t'a amené un autre nom. Et la boue de l'Éternel même le dit. Rien ne sera comme tel. Je veux te bénir aujourd'hui. Et te dis que le nom qui t'a été attribué, je l'enlève. Je te donne un nouveau nom. S'il le veut ou pas, le nom est sur toi maintenant. Asseyez-vous. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 3 à 6. Abraham tomba sur sa face. Abraham jaillit beaucoup à bon soudo. Et Dieu lui parla en disant: bon, maouda koni bodo. Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Allez, nous nous débloquons au Dieu. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Anawa ruzu to akota wabu wabuto. On ne t'appellera plus Abraham. Et sinon, il y a Abraham. Mais ton nom sera Abraham. Loa nous continue nanoi Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Donc zéwezé ruzu to akota wabu wabuto. Je te rendrai fécond à l'infini. Nanaba anadigba kaka doyi. Je ferai de toi des nations. Dans et des rois sortiront de toi. Amen. 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 Réponds amen. Abraham jaï agbosuto. Abraham est tombé face contre terre. Donc tu m'as oublié blo à la nuit de vos frères. Car Dieu veut renouveler son alliance avec lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu ne seras plus appelé Abraham. Parce d'ailleurs Abraham avant on l'appelait Abraham. Abraham n'est pas complet. Oui. Il manquait quelque chose. Et Dieu devait ajouter. Si Dieu n'ajoute rien à ton nom, tu ne peux pas faire des exploits comme Abraham. Mais tu vas agir comme Abraham. Dieu a vu que Abraham était incomplet.
On doit ajouter quelque chose. C'est ça qu'on a voulu ajouter. On doit ajouter quelque chose à son nom. Avant que cela ne soit ainsi, Dieu devait le rencontrer d'abord. Qu'est-ce que notre génération craint? Quand Dieu va les rencontrer, quand tu vas les rencontrer, c'est dans les pleurs et les grincements dedans. Tu seras dans la souffrance, sur un chemin, dans un problème, dans les pleurs. Tu vas prier, Dieu ne se pas. Avant qu'il ne vienne, quand il vient, la première chose, il ajoute quelque chose à ton nom. Dieu fait deux choses. Il ajoute à ton nom. Et ton nom sera changé. Ou bien il enlève quelque chose de ton nom. Et le nom devient autre chose. Yes. Oui. Hein? Oui. Soit la blé-té. Soit il fait quoi? Hein? Il fait quoi? Il enlève. Soit il ajoute. Qu'est-ce qu'il va faire pour toi-même? C'est toi qui le sais. S'il doit ajouter, il le fera. S'il doit retrancher, il le fera. Ne crains pas, la seconde que tu travailles maintenant, Dieu va te changer de nom. C'est parce que Dieu veut changer le nom qu'il fait ça. C'est parce qu'il veut changer le nom qu'il fait ça. Dieu veut faire un ajout à ton nom, c'est pour cela qu'il fait ça. Les circoncis peureux, tu as trop peur. Ne crains plus, Dieu veut ajouter quelque chose à ton nom. Salue ton voisin et dis-lui, Dieu veut ajouter quelque chose à ton nom. C'est pour cela que l'avion est en train de vaciller, mais il ne fera pas de crash. Ne crains pas, l'avion ne fera pas de crash. Peureux. Dieu veut retraiter de ton nom. Pour ajouter quelque chose. Si tu quittes ici maintenant, tu vas porter un autre nom. Si tu quittes ici, tu porteras un autre nom. C'est moi qui te le dis. Je suis prophète et Dieu me sert de te le dire. Dieu dit qu'il va retranscrire de ton nom comme qu'il a fait Abraham et ajouter quelque chose. Et tu deviendras un autre nom. Quand Dieu change de nom à quelqu'un, il t'enlève de là où tu es né et l'amène quelque part d'autre. Là où tu veux aller, tu te verras là-bas bientôt. Ta chambre dans laquelle elle pleure, tu verras le rire. Et tu vas dire avant. Ça rentre dans l'histoire. In Jesus name. Au nom de Jésus. Ce sera une histoire. Quelque chose que vous allez faire, on finira par raconter une histoire. Quelle que soit vos manigances. Arrivé à la maison, trouve-toi un siège, assieds-toi. Mets une chaise devant toi. Et appelle Dieu, assieds devant te parler. Fais d'une chose. Tu vas me changer mon nom, hein? C'est moi qui l'a dit à François, non? Tu vas changer mon nom. Mon voisin qui est là, mon voisin de l'autre côté, ce sera devant eux. C'est ça que je veux te rappeler. J'ai appris ta nouvelle aujourd'hui. Je veux te dire que j'ai appris le message. Bientôt 390 n'a de compte. 390 personnes viendront témoigner de cela au nom de Jésus. Hein? Oui. Et c'est il entend plus que toi. Dieu entend plus que toi-même. Il est plus proche de toi, plus que ton souffle. C'est pour certaines choses, il ne répond pas vite. Si le temps n'est pas encore proche, si ce n'est pas sa volonté, si ce n'est pas le lieu où il veut que tu sois, il ferme ses oreilles. Nous comptons bien dire. Ton nom sera changé. Dieu a changé le nom à Abraham et c'est devenu Abraham. Et il est devenu le père de multitude des nations. Qu'est-ce qu'on dit par là? On parle de l'argent. On parle des hommes. On parle de la domination. On parle de l'élévation.
Quand des gens donnent à quelqu'un, il est élevé, il domine, il a tout. Je parle, tu ne crois pas. Je ne te récite pas un livre. Je vous parle de ma vie dans la prédication. Je vous dis ma vie. Pourquoi vous savez que Dieu est puissant? Écoute-moi bien. La maison dont je viens, ce n'est pas perdu, c'est derrière là. Tout le monde connaît chez moi. Et on connaît comment c'était. Mais aujourd'hui, tel que c'est, les gens le voient. Dieu ne veut pas beaucoup de gens. Pas beaucoup d'enfants. Un seul pour changer de nom, ça suffit. Fortifie-toi. Tu n'as pas encore perdu. Je me souviens dans l'année 2005 à Godomain. Même si on a tout de l'argent en plus, tu ne vas pas vouloir accepter. Mais quand Dieu est prêt pour le faire, le diable n'a plus rien à dire. Satan. Quand on ne comprend pas les choses, on dit Satan, feu. Quand il dit feu, repose-toi un peu, sachant que quand l'heure va sonner, Dieu le fera. Quand on est dans la volonté de Dieu, on n'a plus besoin de beaucoup prier. Le premier jour, j'ai pris un vol dans ma vie. Je pleurais jusqu'à... J'ai regardé la maison d'où je viens. Personne. Mais debout. Personne. Déa, nous m'aider. Il n'y a personne pour toi. Et on nous insulte, ceux-là qui sont inutiles. Je me souviens, ma maman et moi. Mon frère a enceinté quelqu'un. L'enfant d'autrui. On nous a appelé de venir chez eux. Nous y sommes allés. Quand nous sommes venus, on n'était même pas encore assis. On a dit ceux-là qui sont inutiles. J'ai cru que notre fille allait dans une bonne maison. Dans la maison des fers roués. Il y a qui dans la maison? Seulement de l'airain. Et on s'est retourné de la réunion. En chemin, j'ai dit à ma mère, on a dit que nous sommes des fers roués. Mais Dieu va te maintenir en vie. Et je vais te suer tes larmes. Ne vous amusez pas votre vie. Je suis quelqu'un qui aime les défis. Quand tu me dis quelque chose, je vais forcément te gagner. Je recule, je garde le calme, je vais te vaincre. Il nous a insulté, il a tout dit. Courage. En chemin, j'ai dit à ma mère, courage. Aujourd'hui. Ceux-là. Eux-mêmes m'ont vu et ils ont dit. Non. Les choses marchent. Pardon, peuple de Dieu. Tel que vous êtes, vous n'allez pas demeurer indéfiniment ici. Si quelqu'un diminue votre valeur, demandez une chose à Dieu qu'il vous change de nom. S'il vous change de nom, c'est fini. S'il vous change de nom, c'est fini. Parce qu'on te demande que Dieu nous change de nom ici. Pourquoi celui qui diminue notre valeur, il verra que Abraham peut devenir Abraham. L'Afrique. Si tu n'as rien, tu n'auras pas de voix. Ils vont t'oppresser. Ils te feront tout. Parce que tu n'as personne. Si nous adorons Dieu, qu'il nous adore aussi. Je dis qu'il nous honore par là. Parmi ceux parmi qui nous sommes. C'est qu'ils voient que la vie de quelqu'un est meilleure, ils viennent chez la personne. Les hommes sont comme des fourmis.
C'est là où il trouve du sucre qu'il le vend. Si tu n'as pas de sucre sur la terre aujourd'hui, tu ne verras personne. Ne crois pas que c'est une malédiction, ce n'est pas une malédiction. C'est la vie qui est ici. Je n'ai pas eu un oncle. Ni un oncle maternel. Personne. Mais quand c'est devenu bon. Oh, mon enfant, j'ai tellement appelé ton numéro. Écoutez-moi bien. Même toi, tu es quoi? Même dans la main de mon père. Personne n'a demandé après moi. Mais le jour où on a annoncé une réunion et j'ai été avec la voiture. Mes oncles ont dit, garer la voiture ici. Ça va rester de ce côté-ci. Voilà sa chaise qui est là. Ce sera ici pour toi. Ils vont te donner la place que tu vas occuper. À cause du nom que tu portes. Quand on voulait compter les ans, on ne pouvait pas compter notre maison. Mais aujourd'hui, quand on veut compter, on va commencer par là. Hein? C'est la vérité que je vous dis. Je ne dis pas ce qui est écrit dans la Bible. Focalise-toi sur Jésus. Bats-toi, travaille. Excuse-moi de vous demain. Il n'y a pas d'excuse. Pas il n'y a pas de sous-métier. Tout travail, c'est le travail. Dieu commence les choses petites et cela devient grand. On était quelques personnes à prier dans la chambre. Regardez la gloire de Dieu où nous sommes maintenant. Attends Dieu. Prie. Ne t'amuse pas avec la notion de Dieu. J'ai une prière. Lis la parole de Dieu. Suis droitement Dieu. Pour voici, Dieu ne changera pas ton histoire. Il changera ton histoire et ton nom. Quand le nom change, l'histoire change. Et tu seras quelqu'un d'important et on va te compter parmi les gens. Toi qui sors. Et personne ne te voit parmi les gens. Oh Béné aujourd'hui. Jusqu'au Togo. François, mais between. Tout le monde le connaît. Mais ouais, son béhiment. À cause de qui c'est ainsi? Ma weblo. C'est Dieu qui l'a fait. Et d'après nous, prenez soin. Il te le fera aussi. A Jeffrey, bon, mais là, non, y'a eu Django. N'est pas tout sûr, on va t'appeler premièrement. Mais là, mais ben, ouais, mais. On va dire, on te salue, hein. Mais là, attends. Les gens disent, tu le connais? Attends. Tu ne le connais pas? Oh, Régine, moi, avio. Attends, les choses iront. Et là, il est Jésus, c'est ça marchera au nom de Jésus. Mais là, moi, quand les gens te voient, tu n'auras pas besoin de parler. Ils vont en parler à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu ne le connais pas? Oh, c'est telle personne. Chaque chose a son temps. Si ton heure sonne, Dieu te changera de nom. Ça n'a plus besoin de prière. Ça n'a plus besoin de prière. Quand on n'a rien, on souffre. Quand on n'a rien, je me suis marié à l'église. On est rentré. On a dit à ma femme de ne pas m'épouser. Qu'elle a rassé affamée, que dans la maison là on reste affamée. Voilà que la femme est venue. La nuit. Je n'ai pas la nourriture de demain. La nuit, je m'asseyais sur le lit. Ce que les gens disent là sera la vérité. Et. Et elle me dit, toi, tu ne dors pas. Elle dit, non, moi, la nuit, je n'ai pas l'habitude de dormir. Hein? Souci, non, mais après, tu as souci, qu'est-ce que de soucis. Souci, qu'est-ce que de soucis. Oh, yon, je dis, oh, moi, je ne dors pas comme ça la nuit. Moi, je ne dors pas comme ça. Je réfléchis à ce qu'on va manger le lendemain. Elle était enceinte. J'allais à la garde. J'avais 150. Bon, je lui ai remis. Maintenant, j'ai 150 kabay na. Elle va gérer jusqu'au lendemain. J'appelais Jésus. Quand on parle de prière, je priais jusqu'à. Mais il n'y avait rien qui sortait.
Alors que Dieu amasse ça. Tout ce que nous faisons, Dieu l'amasse quelque part. C'est combien on donne dans une tontine qu'on ramasse. Ceux qui souffrent aujourd'hui, investissent dans l'œuvre de Dieu. Malgré cela, quand on trouve de l'argent, on coupe pour aller acheter les brochures. Des livres. Il n'y avait pas le maïs dans la chambre. On achète des ouvrages qu'on lit. Si tu prends le taxi moto plus que moi, je me souviens un jour, j'allais dans la belle famille. J'ai pris taxi moto. Quand le lieu est encore devant, je dis descendez-moi ici. Le taxi moto va stationner devant la maison. Ne fais jamais ça et que cela n'aille pas au portail. Tu descends loin, tu marches. J'étais venu, j'ai été dans une maison là-bas, là. Ma belle-mère a demandé à ma femme un jour. Elle m'aimait beaucoup, hein. Elle m'aimait beaucoup. Elle a dit, mais ton mari souffre de quelle maladie au juste? Pauvreté, c'est un zon. Dis à ton voisin, la maladie de la pauvreté. Et elle a dit, mais il ne souffre d'aucune maladie. Elle a dit, ah. Quand elle l'a regardé, ça ne va pas. Elle a vu que cela n'allait pas. Quand on n'a rien, on a des soucis. Les soucis font maigrir. Je ne parle pas des jeunes brouillons, hein, qui n'ont rien et qui ne veulent même pas faire d'efforts. Dieu va vous changer de nom. Je m'en arrête là. Nous allons lire. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Verset 15 à 16. Verset 15 à 16. Mm-hmm. Dieu dit à Abraham. Maoudanou Abraham. Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Amen. Amen. Début. Le début. Dieu dit à Abraham, Maoudanou Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï. Mais son nom sera Sarah. Voyez-vous, Dieu a changé de nom à Abraham. Mais il a donné la responsabilité à Abraham de changer de nom à sa femme Saraï. Vous avez bien lu. Dieu a demandé à Abraham de changer le nom de sa femme. Que son nom sera. Donc, responsabilité Abraham, ton a dit encore un citant. La responsabilité d'Abraham, c'est de changer le nom de sa femme. Aujourd'hui, ce n'est plus de passation de nom, mais moi, je vais te changer de nom. C'est moi qui vais changer ton nom. Et je dis que tout nom que tu parles soit changé. Saraï. Saraï, qui sont dans cette chapelle, qui nous suivent. Je demande que ça devienne Sarah au nom de Jésus. Là où tu as été Saraï, la sincérité, on te moque de toi, c'en est assez. Cela s'arrête. Le nom change. Lève-toi, nous allons prier. Moment intense de prier. Si la condition dans laquelle tu es de siège, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Moment intense de prier.
Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Lève-toi, allons prier. Tu vas dire Seigneur, change-moi de nom maintenant. Change-moi mon nom maintenant. Que mon nom soit changé. Le nom par lequel on m'appelle dans la maison. Prie. Seigneur, change-moi de nom. Changement de nom. Le nom par lequel les gens m'appellent. Ce matin, Seigneur. Change-le maintenant. Toi qui as changé de nom à Abraham. Toi qui as changé de nom à Sarai. Ce matin, c'est mon tour. Mon nom a sonné, Seigneur. Change mon nom. Le nom par lequel le monde m'appelle. Le nom que le monde m'a attribué. Ce matin, Seigneur, change-le. Change-le. Le nom endetté par lequel il m'appelle. Le nom pauvre par lequel il m'appelle. Le misérable qu'il m'appelle. Seigneur, change-le maintenant. Change-le. Le stérile qu'il m'appelle. Seigneur, change-le. Change-le. Maintenant. Change mon nom. Donne-moi un nouveau nom maintenant. Comme mon nom change. Assieds-toi. Mais tu veux un changement. Tu vas dire Saint-Esprit. Ta parole que tu as sorti aujourd'hui. La puissance de ta parole. Rentre dans ma vie et change mon nom. Je ne partirai pas tel que je suis venu. Chapra kata kata pro, lekete pro, Change maintenant une parole de ta part pour que des gens soient étonnés de ce que tu as accompli. Une parole de ta part que ma vie soit honorée. Que ma position change, que ma position change, que mon nom change, que mon histoire change. Une parole de ta part, Seigneur. Que les choses changent maintenant. Maintenant, Seigneur, dis un mot. Que les choses changent. Que la situation change. Que les choses se transforment. Maintenant. Cette situation. Cette pauvreté. Ce manquement. Cette mendicité. Doit s'arrêter maintenant.
Seigneur, doit s'arrêter maintenant. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur. Cette austérité doit s'arrêter. Cette maladie doit partir. Cette maladie doit partir. Cette maladie doit partir. Maintenant, maintenant, une parole de ta part. Que les maladies plient bagarre. Que la pauvreté plient bagarre. Que le retard s'arrête. La pauvreté s'arrête. Maintenant, maintenant, Seigneur, dis un mot. Dis un mot. Dis un mot. Que je rentre dans ma gloire. Dis un mot, Seigneur. Que je rentre dans ma richesse. Dis un mot, Seigneur. Jésus-Christ Nazareth, en 5 ans, nous avons prié au nom de Jésus. Moment intense de prière. Si la condition dans laquelle tu es de siège, si tu as déjà prospéré, tu peux t'asseoir. Tu vas appeler trois fois le nom de Jésus. Moment intense de prier. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés.